beaucoup de gens ont demandé, beaucoup de gens voulaient voir à quoi ça ressemble, et il y a déjà des cartes à 250 balles dedans. Bienvenue, bienvenue dans un nouvel opening. C'est la première fois qu'on va attaquer de notre côté ce type d'opening là. C'est du Dragon Ball et on va ouvrir du Supreme Rivalry, évidemment. Et c'est le tout dernier, la dernière extension sortie. Il y a dedans, bah, je vais vous le dire, voilà, parce que je vous vois impatient. Il y a dedans un Gohan, Super Saiyajin 3, guerrier interdimensionnel d'une valeur de revente de 260 euros. Il y a Lee Shenron, corrompu des ténèbres, à 239 euros. Il y a Robelu, secrétaire de Demigra, à 200 euros. Après, il y a Sangohan en SS2, frappe époustouflante, à 32 euros. Et après, c'est des petites cartes à 32 euros. On pourra voir ça tranquillement. Mais il y a quand même aussi de très très belles choses. Je te laisse l'honneur. Donc, juste. Alors, dedans, il y a 24 boosters par boîte. Donc, 24 boosters par display. C'est ça. 12 cartes par booster. C'est D'habitude, ça. C'est 10, 11 ou des fois 15. Ah, il y a ce qu'on appelle le God Pack. C'est. Pas mal ça. Incroyable. Je savais pas qu'il y avait une carte promo dedans. Ouais, moi non plus. Carte promo, regardez-moi ça là. Comment elle est stylée. Mais elle est trop stylée. Mais attends, c'est quoi ça? Mais d'où il y a une carte promo dedans là-haut? Attendez, parce que ça peut être game changer ça. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une carte promo dans chaque display? Ah non, dans chaque boîte de booster contient. Ils ont oublié une lettre MDR. Ah ouais. Une carte super rare ou spéciale rare. D'accord. Donc, une carte spéciale rare ou super rare bonus. Et je crois que c'est une spéciale rare. On va l'ouvrir, les potes. Ah bah oui. Par contre, effectivement, j'ai du relief. Ouais, c'est du full relief. Ouais, oh ouais, elle est incroyable. Non, elle est folle. On n'a même pas ouvert un booster que on prend. Est-ce qu'on fait gagner un booster aujourd'hui? Est-ce que les gens méritent un booster aujourd'hui? Je ne sais pas. Non. Prix de vente conseillé, on va être sur un 4 euros. Hein. 4 euros, c'est... 4 ou 5 euros, je crois. Il n'y a pas le prix de vente, malheureusement. Il doit y avoir des acheteurs. Il y a des acheteurs de Dragon Ball ou pas, un peu, là, pour nous c'est dire un peu... C'est 4,50, voilà. 4,50, ouais, voilà. C'est 4,50, donc 4,50 à peu près le booster. Merci Romiroun, merci pour le deuxième mois. Je t'ai connu grâce à ma sœur qui te suit depuis 7 ans. Quelle belle découverte de te redécouvrir sur Twitch depuis un an. Merci mon frérot, ça fait extrêmement plaisir évidemment. Merci SKKJSoso pour le 40e mois. Et merci le Jim pour le 25e mois. Sors-nous, montre chaque artwork différent. Et très stylé les artworks. Lui par contre il est... Non mais ils sont tous comme ça j'ai l'impression. Donc on a 4 artworks. Donc c'est ça. Dans Supreme Rivalry. Évidemment. On a 4 artworks différents. Et honnêtement, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je trouve quand même que ça a de la gueule hein. C'est stylé hein. Je trouve quand même que ça a de la gueule. Bah en fait Dragon Ball, dans le côté opening de cartes Dragon Ball, ce qui fait kiffer, c'est que c'est comme les God Pack. Tu vois ce qu'on appelle les God Booster. C'est... Putain, c'est jouissif quoi, limite, tu vois, ouais, parce que c'est des belles cartes, hein. C'est quasi du full art en fait, tout le temps, à chaque fois. C'est des très 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 belles cartes. La carte, elle est forcément en dernière position. Voilà. C'est ça. Attends, bouge pas, faut que j'envoie aussi un tout petit message vite fait. Allez, on y va. Elles ont de la gueule. Attends. Après, on enchaîne sur. Le roi. Roi Colide, oui, des fois c'est écrit en haut, des fois c'est écrit au milieu, c'est pas évident, mais c'est pour ça, c'est ce que disait d'ailleurs, Zulu, ouais. La semaine dernière, il disait le problème des cartes Dragon Ball, c'est que l'art est tellement grand, tu vois, il n'y a pas de cases, anciennes il y avait des cases, mais là il n'y a pas des cases, donc là ça va, alors à force de les voir celles-là, on va les passer après, oui. Hein, mais là c'est la première fois qu'on les voit. Sangoten entre avant l'Empire sombre. Voilà. Évidemment, on embrasse l'Empire ici. Hein. On se fait plaisir à chaque fois. Merci mon Dark 91 pour le 23e mois. Merci Patrick pour le 9e mois. Et Slazik aussi pour Marmon. On a Sangohan, puissance incroyable. Mais elles ont de la gueule quand même, les cartes. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Elles ont quand même de la gueule. Après, je me suis renseigné un petit peu sur les règles. T'oublies pas, il y a 12 cartes, donc ça veut dire que la dernière, mais bon, là, t'es large. Hein. Voilà, Piccolo, évidemment, allié de confiance, on l'embrasse. Oh, elle est stylée, celle-là. Notre ami de confiance,
La déesse démon. Ouais, les titres, toujours plus. Ouais. La déesse démon, merci SlazyX. Merci pour le sixième mois, mon frérot. Oh, ouais, elles sont belles les cartes, hein. Je les trouve vraiment belles. Hein. Ouais. Sangohan, Super Saiyajin, dernier combat, désespéré. Elles ont quand même de la gueule, je trouve, ces cartes-là. Vous en pensez quoi en vrai? Juste le dos d'une carte. Vous en pensez quoi de ce dos-là en vrai? Comparé à Pokémon, à du Yu-Gi-Oh! Moi j'aime bien, c'est stylé. C'est plutôt ça, classique, ça passe bien, Dragon Ball Super Card Game. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Vous aimez bien le dos? Par rapport évidemment, tout, mais c'est sobre, c'est classe, tu reconnais Dragon Ball à 4, bah, à 4 km, donc on est sur quelque chose d'à peu près classique. C'est dans le thème, on est dans le thème, exactement. Leader, donc leader, alors, leader, ça veut dire que derrière il y a quelque chose, mais derrière celle-ci, on a la carte holo obligatoire. Il y a forcément une carte holo obligatoire, c'est sûrement pour éviter les pesées. Donc on est parti, donc là les potes. Patriarche. Patriarche pédoncule, patriarche mécanique. C'est dans quoi patriarche pédoncule? C'est dans un jeu, mais je sais plus lequel. Non, c'est pas la dernière. C'est pas la dernière? Ah bah non, mais c'est pas la dernière. Bah tu nous as fait un suspense. Montre l'arrière de du leader. Montre l'arrière du leader. Patriarche pédoncule, c'est un viewer. Ah bah oui, c'est un viewer. On l'embrasse d'ailleurs. J'avais dit, c'est dans quoi moi? Ouais. Je sais plus. Bah c'est dans ton chat. Mais c'est dans mon chat. On est parti. Donc là, cette fois-ci, la dernière, évidemment, juste derrière. On a fait un suspense pour rien. Ouais. On a 12 cartes. Attention. Hein, on... Bardock. Oh, stylé. Donc, Bardock, évidemment. Allez, on est parti. Donc, Salsa. On va accélérer un petit peu. Voilà. Kabira. Broly SS puissance déchaînée. Oh, Broly. Donc là, il est juste en Super Saiyajin, évidemment. C'est le Broly du film, en plus. Hein. C'est quoi? C'est Dorobado, c'est ça? Dorobado, ouais. Okay. Dorobado. Bah, c'est 17. C'est 17, évidemment. Un classique, un frère. Dabra. Tu ne peux pas avoir de secret de tout le display. Tu peux ne pas avoir de secret. Non, c'est impossible. Obligé d'avoir une secret. Après, il y a des displays buggés comme partout et tout. Mais buggés dans un seul sens, c'est pas possible. C'est très rare. Piccolo, on l'a eu tout à l'heure. Oh, on a eu une éveil, là. Merci, Triperior. Merci pour le 18e mois. Merci, Antozir. Pour le 42e mois aussi, ça fait extrêmement plaisir. Donc, éveil, ça veut dire éveil, que... ça veut dire que tu retournes derrière. Voilà. Quand tu l'as éveillé, évidemment, il lance son attaque. Ça a de la gueule, hein. Chill. Mais lui, il est chill. Il est tranquille. Ouais, ouais. Il est tranquille. Il a joué chill. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a combien? Il y a 11? Il y en a 12. 12? Ah, d'accord. Trunks. Eh, très stylé, par contre. Le Trunks du futur, là. Oui. Et c'est en dessous celle-ci. Espoir des Saiyans. Ok. Donc, c'est juste en dessous celle-ci. Normalement, ouais. Vas-y, régale-nous. Attends, mais on regarde le dessous, comme ça on sait si c'est une rare ou une super rare ou autre. Vas-y. Oh, ça brille partout. Il y a du relief et tout. Attends, faut qu'on voit la petite écriture là, la petite lettre. Donc là, regardez bien en bas de la carte. Vas-y, regarde, c'est bon, on voit là? Non, on voit pas. Cigare, là, on vas-y, voit. Faut regarde, qu'on voit. Cigare. C'est une super rare. Non, c'est qu'une super rare. C'est qu'une super rare. Oh, elle est magnifique. C'est une super rare. Tout à l'heure, c'était juste une rare. Son Goku. On a déjà eu Allié de Confiance, Bido, le Scélérat, bien sûr. Évidemment, Sangoku, en Super Saiyajin, le retour du héros, Trunks, voilà, un classique, Trunks. Elle est belle de face, ouais. Bon, et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien écrit, donc voilà, tu sais que ça met du 2000, mais en fait, la particularité des cartes, si vous regardez bien tout en bas, il y a des cases, parce que il y a le, c'est comme un peu Dokkan Battle. Il y a le système de famille, tu vois, oui. Genre Saiyan, etc., etc. Il y a les dégâts qu'elle met, il y a la couleur, il y a son alimentation, il y a tout, en fait, sur la carte. Et ça a son importance en combat. C'est devenu très compliqué de jouer au jeu de cartes Dragon Ball, pour le coup. Hein. Couleur, embuscade, sournoise, évidemment. Il est sournois, le couleur. Ouais. Broly sombre. Broly sombre, très stylé, pour le coup. Le Vindicateur. Vas-y. Non, c'est derrière celle-là? Je crois que c'est derrière celle-là. Bah vas-y, montre juste le bas. Pour voir ce qui est écrit. On est sur une... On est sur quoi? Je vois pas le bas. Ouais, moi non plus, je vois pas. R, non? Ouais, R. Juste R, donc rare, tu peux enlever. Ouais, mais il est flingué celui-là aussi. Putain, la tête qu'il a, les gars, y a rien qui va. Végéta en God, évidemment.
Il était temps d'ailleurs, en Super Saiyajin God niveau supérieur. Berry Blue. Vas-y. On va accélérer un petit peu parce qu'il est quelle heure là? Ouais, il est 18h quand même. Ouais. C'est 13. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est toujours la fin, c'est 17. Thomas. Merci mon Duke FR pour le 22e mois en bro. Sangohan. Sangohan qui est très stylé comme ça. Kabira. Qu'on embrasse. Sangohan. Sangoten. Sangoten, pardon. Sangoten. Sangoten en Kamehameha, hein, classique. Oh, fuite soudaine. Elle est très stylée. Hein. Ouais, ouais. Elle est très très stylée, elle. Hein. Fuite soudaine. Gokua. Le scélérat aussi. Que des scélérats hein, ici. Hein. Que des scélérats dans ma team. Invasion. Et ça en dessous celle-ci. On a pas l'écriture là, si on a des... Je vois rien, ça brille. R, je crois. R. Ouais. R. Voilà, flingué. Une classique, les gars. Donc, c'est juste une rare. Allez, Yamcha. Coucou, B-Boy. Vous me donnez envie d'acheter des cartes. Mais faites kiffer si vous avez les moyens, évidemment. Mais kiffer, aller au bout des choses, les potes. On vit qu'une fois, bordel. On vit qu'une fois. Le roi sombre. Alors, le roi sombre éveille. Donc, il y a l'arrière, évidemment. Et convoitise encore, non? Non. Mais ah non. Mais c'est lui qui convoitisait les Dragon Ball hein, dans la carte convoitise. Ok, très très stylé, l'éveil. Broly Super Saiyajin, on l'a déjà eu. Gotenks, fusion elle est très stylée. Attends, mais Gotenks avec l'épée de Trunks, incroyable. Tobi, l'assiégeant, donc ça veut dire que c'est une fusion de quand ils sont grands. C'est ça. Trunks et Goten, incroyable. Pas mal celle-là. Elle est très très belle. Trunks en Super Saiyan, elle est très 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 belle. Mais on la fera voir après parce que c'est en dessous. Parce que c'est en dessous, bah vas-y, montre le bas. Enfin, fais-nous rêver. Moi je veux que ça brille. Je veux voir de l'incrusté, tu vois. Et non. Non, c'est. Non, attends. Attends. Rare. Tu peux retirer. Alors ça, c'est la rare. C'est Bugin le scélérat. Et l'éveil de Bojack. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure. Bojack. Il y a moyen. Il y a moyen. Bah, on l'a eu en carte, hein, mais pas en leader ou en éveil. Donc. Bugin le scélérat. Aïe, 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 on a la famille des scélérats, hein. On a tous ces scélérats là. Y a des gens qui jouent aux cartes Dragon Ball, qui maîtrisent bien les cartes, parce qu'en vrai, on pourrait, vous pourriez venir en live pour qu'on voit ça, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Il est vénère. Ouais, tu joues Slazy? Ça peut être très sympa. Broly en puissance amplifiée. Piccolo, qu'on embrasse. Sangoku, le frère. Trunks qu'on a eu tout à l'heure. Enfin non, Gotenks pardon, qu'on a eu tout à l'heure. Ah, la DS on l'a eu aussi tout à l'heure. On l'a eu aussi tout à l'heure. Ouais, bah là on commence forcément à avoir un peu des doubles. Trunks SS protecteur d'une autre dimension. Bien sûr. 1, 2, 3. Très 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 stylé celle-ci. Très 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 stylé par contre, il faut le dire. Le futur est entre tes mains. Donc Trunks, c'est en dessous celle-ci. Bah vas-y, monte le dessous. Allez, fais-moi rêver gros. Tiens, c'est pour toi ça. R. Puis sa mère. Allez, retire. Goku, ah, la calamité. Ouais. Il passe de scélérat à la calamité. Il n'y a rien qui va, le pauvre. Bon, ouais, vous vous rendez pas compte, mais les cartes sont vraiment rigides. Les cartes sont vraiment rigides. C'est du bien béton, épaisse. Mon ref. Hein. Bien épaisse, ouais, hein. ouais. Et on aime quand c'est épais. Bien. On n'a toujours pas eu la secret de la boîte minimum. Goku. Roi Vegeta. Qu'on embrasse aussi. C17. Qu'on embrasse. Broly. Broly. La puissance amplifiée, elle est stylée de Broly par contre. Piccolo. Tenshinhan. Tenshinhan, putain, il est claqué hein, ce bâtard. Hein. Mais attention parce qu'il y a toujours une secte de Tenshinhan hein, qui se cache dans les méandres d'internet. Il y a toujours des mecs qui sont fans de lui alors qu'il est flingué le man. Kikono. C'est en dessous celle-là, mon pote. C'est en dessous celle-là? Allez, fais-moi rêver là. Fais-moi rêver là. Rare, vas-y, retire. Bon, Vegeta, bon, SSB. Bon. Elle est stylée, c'est Vegeta. Il y a la team Vegeta en puissance. Vous êtes plus Sangoku ou Vegeta, le chat là, un peu là. Régalez-nous là. Vous êtes plus Sangoku ou Vegeta? Parce que c'est vrai que Vegeta, je sais pas pourquoi il est autant aimé en fait. Bah, tu sais, c'est un peu comme Sasuke, le côté dark, machin. Ouais, mais il est. Voilà. Ouais, je sais pas. Trunks, on l'a eu aussi. Vegeta encore. Vegeta. Kabira. Sangoku.
Oh, Son Goku en SSJ4, elle est vraiment pas mal. Hein. Ouais, elle est belle. C'est 17 qu'on a eu à moult reprises. Ah, une éveil, on l'a pas eu. Leur éveil, on l'a pas eu, donc derrière, il y a forcément, voilà, un nouvel artwork. Voilà. Donc tout ce qui est éveil, il y a toujours un recto verso en fait. Et en fait, sur le terrain, vous retournez la carte et voilà, c'est tout simplement, c'est sympa. J'ai 20. Donc c'est une carte qui, vous l'aurez compris, a un recto verso entièrement artworké. Oh, oula. Oh, il y a un truc là. Il y a un truc là ? Non, c'est une rare. Non, c'est une rare. Allez, flinguer. Flinguer, flinguer, flinguer. Par contre, elle est belle. Elle a de la gueule. Concentration des guerriers masqués. Je les trouve belles, hein. Vraiment, les Dragon Ball, je trouve que... Alors, c'est vrai que c'est pas évident à lire et tout, la police ouais, et tout. Ouais. Mais par elles contre, il y a quand même un effort qui est fait sur les artworks et tout. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, pour le coup. Mais je trouve qu'elles ont quand même de la gueule. Bah là, on va chercher des cartes à 250 balles, si on peut. Évidemment, vous en doutez bien, ça sera les secrets. On l'avait pas eu, elle, en plus. Ouais. T'as beaucoup de cartes déjà, alors qu'il reste au moins la moitié du paquet, là, non? Ouais, couleur. Son Goten. Son Gohan. Trunks. On a eu tout à l'heure. On a ouvert que 8 boosters et putain, regarde le paquet qu'on a. Ouais, c'est première fois qu'on a deux éveils dans un booster. Oh, peut-être bon signe. Il y a peut-être moyen. Hein. Ou peut-être pas. On verra. Il y a 288 cartes en tout. Merci, merci de la, pour la précision, les potes. Broly. On l'embrasse. Hein. Réveil furieux. Oh, ça brille. Ouais, mais ils brillent toutes. Non, là, il y a du relief et tout. Alors, on est sur quoi, là? Super rare, non? Super rare, je crois. Super rare ou secret là? Ou secret rare? Oh. SR, c'est quoi, les potes? Oh, elle est belle. Alors, par contre, elle est très stylée. Attends, parce que elle a l'air un peu spéciale, non? Elle est très, très stylée. En relief, les gars, c'est du relief, hein, c'est vous voyez. SR, ouais, c'est une super rare, juste une super rare. Mais hé, on prend, c'est pas mal. Je peux pas le dire, mon Ludo, parce que ça ferait de la pub pour des sites. Et je suis pas en partenaire et tout avec, donc on va éviter. Mais peut-être que si un jour je fais un partenaire avec un site que je trouve bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, je vous dirai où je les achète. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, sinon, j'achète aussi beaucoup chez des fournisseurs, parce que je suis professionnel, donc je les ai à des prix fournisseurs, donc voilà. Bien moins cher, puisque bah, forcément j'ai les prix pro, hein, vous vous en doutez bien. C'est pas pour faire le man, mais c'est qu'au bout d'un moment, calmez-vous immédiatement. Vas-y. Rare, tu peux retirer. Oh, stylé par contre. Rare mais stylé. Rare mais stylé. Tiens. Thomas. Shirai. Oh, les choupiels. On l'embrasse. Ouais, on adore. Trunks. Coucou Second Center, ça vaut quoi? Ma convoitise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pleine puissance. Je pense qu'on a quelque chose, les potes. Mets que le bas. Attention. Quand je vois comment ça. Ouais, tu vois. Non? SPR. Donc spécial rare, ouais. Ou spécial secret rare? Spécial rare. Spécial rare, hein? Ouais. Spécial rare, les potes. Hein. Les gars, SPR. Vas-y, fais-moi rêver, bébé. Waouh! Oh la vache! Non, mais vraiment, vous vous rendez pas compte, ça brille, sa mère, c'est incrusté. Montre, hein, parce que c'est incrusté de tous les côtés. Oh là 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 là. Elle est creusée et tout, elle est incroyable. Hein. Les gars, quand c'est une secrète, il y a écrit quoi? S'il vous plaît, pour nous donner un ordre d'idée. Écrit là. Il y a écrit quoi quand c'est une secrète? Juste qu'on sache. Incroyable la première carte, hein, chien de loin. Rob Vegeta, on l'a vu tout à l'heure. Il y a écrit SCR. Ok, les gars. Le futur est entre les mains, on l'a vu tout à l'heure. Bien sûr, et toujours. Hein. R. Oh. On l'a pas déjà eu? Non, on l'a pas eu. Mon... On l'a pas eu. Poutine? Bah, alors là, faut savoir que Pokémon s'y est déjà mis, mais là, ils vont refaire dans Évolution Céleste. Des cartes Pokémon full art, sans radinité. Bon, c'est déjà fait avec les VMAX ou autres, hein, les alternatives ou autres. Hein. Mais
C'est vrai que dans Dragon Ball, c'est le fait d'avoir quasi que des full art. C'est ça, ouais. C'est, il y a ce côté admiratif, entre guillemets, où t'es en mode, ah putain, la carte, elle est belle, en fait. Même si elle est commune, si elle est flinguée, les cartes sont belles de Dragon Ball. Par contre, c'est vrai que, point faible, pour lire. Pour lire ou pour comprendre en combat ce qui se passe, c'est vrai que ça, si tu fais des crises d'épilepsie, mon ref, t'es là, tu regardes un combat, t'es... Ouh, tu... Y a rien qui va. Rare, vas-y. Oh, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. C'est une classique, c'est Son Goku en Gold. Elle est belle. God Booster, écoute bien, God Booster, t'as que des ultra rares et une secrète dedans ou autre. T'as que des trucs d'enculés, si je puis me permettre, excusez-moi de l'expression, évidemment. On dirait... Mais t'as que des trucs style... On dirait Skyboo. On l'embrasse. J'avoue. Eh les gars, je suis mort. Voilà. Dabra. Tenchinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trunks, combattant de l'espoir. Il me fait rien, lui. Même lui, c'est pas ce qu'il fait là. Avec Kikono, je te jure. Rare. Oula. Oh. Il est vénère. Ouais. Un des androïdes qui faisait fort flipper au début. Ouais. Et qui fait toujours flipper, mais il est flingué, hein, ce bâtard. Ils se font casser la gueule. Merci Babidi. Ah bah tiens, bah. Merci Babidi pour le 3e mois. Merci Darion pour le 27e mois aussi. Merci à vous les bros, ça fait plaisir. Et Babidi, merci de continuer. 3e mois. Skyboo, hein, toujours le seul, l'unique. Ouf, elle est incroyable, elle. Carte éveil, donc il y a forcément un dos. Oh lolo, lolo, elle est folle. Le champion. Ok. Les jeunes envahisseurs et... Merci, comment commandant. Merci, mon frère, pour le 20e mois. Rare. Bojack, le stylé. Eh, par contre, on n'a pas eu une double rare. Hein. On n'en a toujours pas eu une double rare. Hein. Je vais pas dire, mais pour l'instant, les displays, ça, quand t'achètes un display direct, ça régale. Hein. Parce que t'as rarement de double. Hein. T'as rarement de double. Hein. Trunks. Donc, non, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Vegeta. Rare, je crois. Rare. Bah, vas-y, tu découvres. Oh, ouais. Et ouais, celle-là était éveil, donc je le fais voir derrière. Voilà. Et on a eu très peu de double. Et le tas, les gars, il est. Ouais, il est gigantesque. Hein. Il est indécent, les refs. Hein. Il est indécent. Donc, ça, c'est ce qu'on a ouvert en 24 mois. Et il en reste la moitié presque. Ouais. Bon, je sais pas si tu te rends compte. Les gars, il reste la moitié quasi. Je rappelle que si vous avez des trucs sympas à ouvrir, n'hésitez pas à venir sur Discord. Vu qu'il y a la boîte postale et je peux vous acheter des trucs cool, bah retire. Rare. Pas ouf. Ah, est-ce qu'on l'a pas déjà eu, non? Ça te dit rien? Ça me dit rien, je crois. Si ça te dit rien, alors, ça me dit rien non plus. C'est... Ouais. Et toujours ce côté gravé, hein. T'as l'impression que c'est de la gravure, hein, Lolo. Hein. Merci, Guanzio. Merci pour le 6e mois, mon frérot. J'ai une mauvaise nouvelle. SPR encore? Ouais, regarde. Attends, c'est quoi SPR? Spécial. Spécial rare. C'est okay. Au-dessus. Donc là, ça va être notre 3e spécial rare? Ouais. Ok. Et... Oh! Oh lolo, elle est folle. Oh, t'en prends plein la gueule. Ouais, putain. Elle est incroyable. Les gars, on en prend plein la gueule. Non, par contre, là, c'est pas du foutage de gueule. Elles sont incroyables, les spéciales. On en prend plein la gueule. Avec l'or... Non, il faut que je mette les néons en blanc, limite du PC et tout, parce que vraiment, elles sont cette incroyables. Frappe sans effort. Incroyable. Tranquille. Incroyable. Donc, 3 spéciales rares, on en a eu. Si j'ai bien compris. Ouais, c'est... Elles sont folles, les secrètes. Putain, ça donne envie de jamais s'arrêter, mon ref. Broly sombre. C'est 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle est en éveil, mais on l'a eu tout à l'heure. Voilà. Et c'est juste en dessous. Rare. Son Gohan. Et on l'a eu, je crois, non? Ah non, non, non. Eh, mais c'est incroyable, les gars. On n'a pas eu une seule fois la même rare, quoi. Il y a rarement... Pour l'instant, il n'y a pas eu de double. Hein, dans les... Donc, dans un display, on n'a pas eu une double. Non, mais c'est exceptionnel. On est sur un world record. Je vais mettre ça en titre, hein, les gars. Hein. Piccolo. Son Goku. 9. On l'a vu tout à l'heure. Et, attention. Juste derrière. Et une petite secrète, ça ferait plaisir. Rare. Oh, putain. Une petite secrète. Ouais, lui, on l'a déjà eu, je crois. Ah, il me semble que lui on l'a déjà ouais, eu. Ouais, Bojack. Ouais. Non, parce que sinon le fan de Dragon Ball, il achète un display, il s'y retrouve à chaque fois. Hein. Ouais, tu m'étonnes.
En vrai, hein. Son Goten. Il s'y retrouve à chaque fois. Krilin. Dynastie du roi Cold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On l'a vu tout à l'heure. Non, la Vegeta, c'est même pas un doublon, les gars. C'est même. Non, mais vraiment, hein, les gars, on n'a pas un doublon, les potes. Ah, si, 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 si. Si, Bojack, c'est un doublon, effectivement. Bojack, c'est un doublon. Mais c'est tout. C'est tout. Ok, il reste deux boosters après celui-ci. SR, elle est, elle est. C'est une SR ? Oui, SR, ouais. Bah, c'est. SR, c'est une. Mais frère, c'est une. C'est une super rare. Ça vaut un truc, ces cartes ? Oh, ouais, il y a déjà des cartes à 260€ dans le display qu'on est en train d'ouvrir. Donc, bien sûr que ça vaut. Les gars, toutes les cartes valent quelque chose. Vraiment, hein. Toutes les collections. Digimon et tout, il y a du ultra rare partout. À partir du moment où vous éditez une carte, même si vous chiez une merde dessus, vous éditez une carte. C'est quoi ? Non. Secret. Secret ? Je crois. Les gars, je crois que c'est une secret, les gars. Attends. Regarde, t'es prêt ? En fait, il n'est pas marqué SPR. Il est marqué SCR. S. Oui, bah, secret rare, ouais. Secret, les gars. Secret. Ok, les gars, on a la secret. Eh, les deux derniers boosters, c'est trop, frère. Regarde. Attends. Je vais voir, les gars, celles qui valent très cher. Ne regarde pas. Vas-y. Ah, je pense qu'on a celle-là. Laquelle ? Elle ? Descends. Elle ? Non, encore. Elle ? Encore, celle-là, là. Elle ? Ouais. 29€, ça serait la je présence pense. Majestueuse du roi Vegeta. Par rapport à la couleur et tout, je pense. Vas-y. Pas sûr. Vas-y. Oh ! Oh, non, c'est pas elle. Attends. Oh, c'est la plus chère ! On l'a. Elle est vendue à 259 voilà. balles sur des sites de revente de cartes pro. Mais on l'a, c'est la plus rare, les gars, c'est du display. C'est la plus rare du display. Montre-la, c'est n'importe quoi, les gars. C'est incroyable, elle est phénoménale. Ouais. On a la carte la plus rare de suprématie, rivalry. Incroyable, les gars, on l'a chopé. La première secrète qu'on on a. On l'a chopé. Oh là là là. Mais gros, hey. Non mais attends, mais ça pour une vidéo, c'est fou, c'est bah phénoménal. Ouais, parce que ça veut dire que c'est la fin là. Je veux dire, c'est l'avant-dernier booster, les gars. Elle est folle. Elle est non, remontre. Elle est incroyable. Elle est incroyable. On l'a eu. La carte la plus rare de Supremacy Rivalry, les gars. Ah ouais, par contre, mais bien sûr qu'il rigole zéro. Oh là là, comment elle est folle, Matt, la gravure. Incroyable. Ouais, incroyable. On a la... Non, bah, va falloir déjà qu'on aille sur un autre display. Elle est belle, elle est magnifique. Hein. Là, ouais, on est sur des valeurs entre 160 et 260€. Ça dépend de l'état. Entre 160 et 260. Après, si tu la fais grader, ça peut valoir forcément plus. Elle est folle. Elle est incroyable. Oh là là, GG. On est monstrueux, les gars. Et... On a failli se dire, allez, y a rien, c'est tant pis. Oh là 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 là. Du coup, là, les gars, c'est le dernier booster là, que je suis en train d'ouvrir. Donc, du coup, c'est le dernier booster. Mais regarde ce tas de cartes, mon ref. Thanks. Sangohan. Trunks. Allez, go. Celle-là, on l'a vu tout à l'heure. De. Non, c'est. Ils se foutent pas de la gueule du monde. Ah non, mais c'est ce qu'on vous dit, hein. Rare. C'est pas grave. On finit plus. Oh, on l'a pas en plus. C'est mignon. On finit un peu plus tranquille. Oh là 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 là, mais on se met trop bien. Alors là, évidemment, rien qu'avec la secret, les gars, display remboursé, magnifique. Je vous ferai, vous savez quoi, je vous ferai des belles photos pour Insta, parce que faut que vous voyez ça, mais elles sont magnifiques. Là, on est sur des, on est sur largement plus de 200 balles juste ces quatre cartes-là. Hein. Ah bah oui. Hein. Juste ces quatre cartes-là, incroyable cet opening. Oh, l'avant-dernier booster, on a sorti ça, les gars, la dingue. C'est la secret la plus rare, les gars. Elle est là. Oh là là, la dingue. Donc, à droite, toutes les rares, super rares. À gauche, tout ce qu'on a eu dans le display. Donc, 24 boosters. 12 cartes par booster. Non, mais c'est trop, wesh. Ouais. Attends, mais des 24 boosters, on en ouvre quand on ouvre du Yu-Gi-Oh ? Ouais. Mais il y a combien de cartes dans du Yu-Gi-Oh ? Ah, il y en a 8. 8, 9. Ça fait la diff. Oh là 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 là, je t'ai craché dessus tellement la diff d'eau. Aussi, ouais. Mais les cartes DBZ, je te le dis, elles sont plus épaisses. Hein. C'est incroyable. Non, mais là, elles sont hyper épaisses. Gros, c'est une planche de bois. Ouais. On le voit même à la caméra. Il y a, carrément de l'anti-crénelage sur la cam, tellement. Oh là là.
Regardez l'indécence. L'indécence. Donc ça, c'est un display Dragon Ball de 24 boosters. Les gars, là, on a un arbre entier en bois, hein, les potes. Donc attention. Hein. L'alternative Noctali aussi, qui était... Oh là 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 là. Excusez-moi, les gars, regardez-moi ça. Non, mais dites-moi pas, ça n'a pas de gueule. Ça brille partout, gros. Dites-moi pas, c'est de l'or, mon rêve, ça brille en goldé. C'est... Oui. Ah, c'est trop. C'est là que vous fermez vos volets, vous mettez dans le noir, vous êtes quand même éclairé. Mais c'est trop. La secrète rare est folle. Bah, c'est la plus rare.